Et nous commençons donc cette édition du 7-8 en ce 16 mai par de la politique. Hier soir, David Douillet était à Magny-les-Hameaux à l'invitation d'Aurore Berger, candidate investie par l'UMP pour les prochaines municipales. Le député de la 12e circonscription des Yvelines est venu parler des élections, bien sûr, tout en précisant qu'il ne serait pas candidat dans aucune commune, malgré les différentes rumeurs, l'annonçant d'abord du côté de Poissy en tant que tête de liste, mais aussi à Rouen. Il est aussi revenu, David Douillet, sur son soutien à Henri Guénaud, dont les propos à l'encontre du juge Gentil font l'objet d'une enquête. L'ancien ministre des Sports a signé avec d'autres députés UMP en début de semaine une lettre ouverte. Ils reprennent à leur compte les propos du député de la 3e circonscription. Seulement Valérie Pécresse, une autre députée, chef de file dans le département du mouvement de l'UMP, n'a pas souhaité y prendre part. Je vous propose de l'écouter, écouter sa réaction à ce sujet. Chacun est libre, je veux dire, voilà, bon, pas de... Mais ils se sont vus avec Henri, hein, ils en ont parlé ensemble. Je crois qu'elle voulait faire, elle voulait avoir une initiative individuelle propre. Il faut lui poser la question. Moi, je suis heureux de vivre dans une démocratie. J'ai eu cette chance de voir ce qu'était une dictature. J'ai, depuis l'âge de 16 ans, dans ma première vie, voyagé dans beaucoup de pays. J'ai eu cette chance. Et j'ai vu ce qu'était l'obscurantisme, etc., dans un pays. Être dans notre pays et pouvoir dire ce que l'on veut de quiconque, et en particulier de n'importe quel casque, peu importe laquelle, c'est une vraie liberté, et surtout pour un parlementaire. C'est ça, mon soutien derrière Henri. Parce que on a le droit de dire à quelqu'un qu'on estime qu'il n'a pas bien fait les choses. Voilà. C'est notre liberté. Vous le savez également, si vous nous suiviez, hier, pour le 7-8, Marine Le Pen est venue à Versailles rencontrer des militants, mais soutenir également les candidats investis, les premiers candidats investis par son parti, le parti frontiste, pour les prochaines municipales. L'occasion pour la présidente du Front National de préciser qu'il n'est pas question d'accord au niveau national avec l'UMP, mais néanmoins, des rapprochements locaux sont possibles. Reportage Catherine Zulato, Sophie Yval également. Marine Le Pen poursuit son tour de France des fédérations départementales. Une halte ce mercredi soir à Versailles pour soutenir les candidats aux municipales. Avec des espoirs dans les Yvelines, bien sûr. C'est une fédération qui a repris un très grand dynamisme, hein, qui marche très bien, qui est une des belles fédérations d'Île-de-France. Car sur fond de crise, de réforme des retraites, d'hausse du chômage et d'insécurité, le Front National est plus que jamais sûr de séduire les électeurs. L'ambiance a changé, assure les représentants. Ce qui est extraordinaire, c'est que même des gens qu'on ne sollicite pas, même des gens qui ne sont pas adhérents, viennent nous voir. Et ça, franchement, on doit beaucoup à Marine, parce que elle a réussi quand même à ce que des gens puissent comme ça venir vers nous, sans avoir peur, dans leur propre commune, d'afficher leur couleur. Dans les Yvelines, 10 têtes de liste sont connues, et à Versailles, le candidat se voit déjà au second tour. Je pense que le Front National va rentrer en force au conseil municipal de Versailles de par le fait que les thèses qui sont les nôtres paraissent maintenant évidentes pour tout le monde, aussi bien pour les gens de droite que pour les gens de gauche. Un Front National qui fait moins peur. Il y a 3 jours, en Picardie, une brèche s'est ouverte avec une alliance locale pour les municipales entre le FN et l'UMP. Et Marine Le Pen laisse la porte entrebâillée. Nous ne pouvons pas faire un accord national avec l'UMP. Donc il y aura peut-être des listes d'intérêt communal qui pourront voir sur des gens qui viennent de l'UMP, des gens du Front National. Il y en aura quelques-unes, c'est possible. En France, le FN a déjà rassemblé 450 candidats. Sur le secteur de Saint-Quentin en Yvelines, Philippe Chevrier n'a pas caché la probabilité d'une liste frontiste à Montigny-le-Bretonneux. Et je profite de ce point politique pour vous donner rendez-vous ce week-end sur TV Fil pour le 3e numéro de Municipal 2014, le magazine de la rédaction, magazine mensuel. Il sera question de l'engagement des jeunes lors de la prochaine campagne de mars. Première diffusion samedi à 10h, émission qui sera également à consulter sur notre site internet à travers le replay.